Salut à toi, c'est Max, ton coach de la chaîne YouTube Flash Fit Home. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire une séance de sport, comme d'habitude sur la chaîne, mais une séance cardio-abdo, d'accord? Donc on va brûler un maximum de gras en un minimum de temps, comme toujours. Une séance cardio-abdo, qu'est-ce que c'est? Truc de fou, tu vas jamais deviner. On mélange des exos, cardio et abdo dans la même séance. Je suis sûr que tu n'auras jamais deviné à la maison. Donc si jamais tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube Flash Fit Home, je t'invite à le faire de ce pas. Tu as un bouton haut juste en dessous de cette super vidéo. Le concept, c'est quoi? Le concept, il est très simple. On est deux coachs sportifs diplômés avec Marine. On te propose deux séances de fitness minimum par semaine sur cette chaîne YouTube. On donne aussi des conseils pour perdre du poids, retrouver la forme directement chez toi, à la maison, sans avoir besoin ou sans avoir l'envie forcément de t'inscrire en salle de sport. Donc aujourd'hui, cardio-abdo, pas besoin de matériel, séance adaptée à tous les niveaux, puisque comme toujours, je vais te donner des options en fait sur chaque exercice pour faciliter le mouvement ou alors limiter les sauts et les impacts. Donc tu peux rester, peu importe ton niveau. Place à l'échauffement, c'est parti, let's go. C'est parti pour cette séance cardio-abdo-brûle-graisse. Donc, comme d'habitude, on va faire un échauffement rapide mais complet histoire d'être prêt pour bien commencer la séance. Et la séance, comment elle va se passer? Assez simple, assez basique, mais toujours efficace. 6 exercices différents, 3 exo-cardio, 3 exo-d'abdo, d'accord? 30 secondes d'effort, 15 secondes de récup, et on fera 4 tours, ok? On attaque directement par l'échauffement, hein, c'est mieux, parce que si on fait échauffement à la fin, c'est un peu couillon. Mais là, on va faire un peu petite routine articulaire. Donc, on va faire comme du hula hoop dans un sens et dans l'autre. Là, c'est pour préparer en fait les hanches, tout simplement. Donc, ah, tu vois, ça vient de bien craquer. C'est normal, c'est fait pour. Ici, petite flexion au niveau des genoux. Pareil, tu auras sûrement des petits craquements. Ne t'inquiète pas, si tu as l'habitude de faire nos vidéos, tu as l'habitude. Si jamais c'est ta première, c'est normal, hein. On passe sur les chevilles. Tu viens tout simplement faire des ronds avec tes chevilles et en même temps on va entrelacer les mains pour chauffer un peu les poignets et on change de pied toujours en gardant les poignets évidemment. Donc séance cardio abdo, c'est toujours sympa, j'espère que tu as la forme. N'hésite pas à me laisser un pouce en l'air juste en dessous très rapidement si tu fais cette séance avec moi, ça va permettre de stimuler un peu cette vidéo sur YouTube. Et ça c'est cool parce que évidemment si la vidéo est stimulée, c'est à dire qu'il y a plus de monde qui va nous découvrir. Grâce à toi notamment. Donc ça c'est cool. Plus on est de fou, plus on rit. Donc là on est sur les épaules, comme tu peux le remarquer. Je pense que tu le sens à la maison. On tire bien sur les bras. On fait des petits ronds vers l'avant qu'on agrandit. On agrandit, on agrandit, on agrandit. On fait la même chose en sens inverse. Je suis toujours actif sur le bas du corps. J'essaie de bouger un petit peu. Ok, articulaire, on est bon. On va passer au musculaire. On va passer au talon-fesse. Donc là, c'est très simple. Je vais amener le talon à la fesse. Je commence déjà à me concentrer. Je commence déjà à me concentrer sur l'articulation. Le fait d'articuler, hein, pas nos articulations. C'est moi, il va falloir que je me concentre là-dessus. Non, toi, à la maison, tu vas commencer à être focus un peu sur les abdos. Et tout le long de la séance, je vais te le répéter souvent, on va rentrer le nombril, rentrer le ventre. Ça va permettre de gainer, contracter un muscle profond qui s'appelle le transverse, qui fait tout le tour. Il me permet de rentrer le nombril, donc quand je rentre le nombril, je le contracte. Ce qui fait que j'ai une ceinture naturelle ici pour être plus en sécurité et avoir de meilleurs mouvements. Ok ? On va commencer à y penser et on va passer sur les montées de genoux. Donc là, évidemment, à l'écran, ça se voit pas, mais je suis en train de rentrer le ventre. D'accord ? Je contracte mes abdos. Donc, la vitesse, c'est toi qui l'adaptes hein, à la maison en fonction de ton niveau. Ouf. Moi, je vais juste te demander de bien écouter les consignes. D'accord? Et de faire les mêmes exos que moi. La vitesse, c'est toi qui l'adapteras. Ok, on revient à talon-fesse. Cette fois, on met le haut du corps. Donc, comme si tu tirais quelque chose. Comme si tu tirais un élastique. Peu importe. Imagine ce que tu veux. On s'en fout. Je veux juste que tu fasses ce mouvement, tu vois, de tirage. Que tu viennes bien serrer les omoplates. D'accord? Que tu viennes tirer les coudes le plus en arrière possible. 3, 2, 1... Ok. Petit pas sur place, le temps que je t'explique ce qu'on va faire juste après. Donc là, on va faire monter un peu le cardio. D'accord? Donc on va accélérer un tout petit peu. Tu vois qu'il n'y a pas d'impact au sol. C'est juste des petits pas rapides. Et tu vois, tu sens à mon essoufflement, en fait, que le rythme cardiaque, il est en train d'augmenter.
D'accord? Qui dit augmentation du rythme cardiaque, dit augmentation de la circulation sanguine, et c'est ce qui fait que je vais pouvoir chauffer mon corps progressivement. D'accord? Puisque mon cœur va pomper plus de sang. Ok? Donc, juste après ça, on va passer sur des squats. Attention, on passe sur les squats. Donc, les squats, qu'est-ce que c'est? Pieds largeur d'épaule. D'accord? Donc, un peu plus large que le bassin. Les pieds légèrement ouverts. Je me grandis. Je regarde loin devant. Je regarde jamais par terre, toujours loin devant. Je sors la poitrine. Je rentre le ventre. On gaine. On y pense. Et là, on va tout simplement amener les fesses en direction du sol. Attention, en gardant bien les talons au sol. Ok? J'inspire. Je souffle en montant. Ça en fait des choses à penser. Hein. Mais t'inquiète pas, au fur et à mesure, à force d'en faire, à force de faire nos séances, tu vas à chaque fois automatiser au fur et à mesure chaque consigne. Et au bout d'un moment, tu n'y penseras même plus. Donc là, on chauffe. Bah, les jambes, hein, tu remarques. On chauffe le bas du corps. On va accélérer un petit peu. L'amplitude, eh ben, à la maison, tu adaptes. Tu peux. Peut-être que tu ne peux pas aller aussi bas que moi, et bien c'est pas grave. Tu descends à ton maximum ici, et tu remontes. On rentre le ventre, on gaine, on contracte les abdos. Important pour une belle posture. 3, 2, 1. Ok, on va passer au sol, parce que c'est une séance cardio-abdo. Hein. Donc on va chauffer rapidement les abdos, tu t'en doutes. Pas de surprise, on se met sur les mains, d'accord, les poignets bien sous les épaules, on s'installe sur la pointe des pieds et on va tout simplement monter un genou, donc le genou en direction du coude opposé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que mon genou gauche va en direction de mon coude droit et inversement, genou droit, coude gauche. Alors tu vois bien que je vais pas toucher, c'est juste aller en direction de boum boum. Là aussi, je rentre le nombril, très important, et je contracte les abdos, tu t'en doutes. C'est une position de gainage, donc c'est important. 3, 2, 1. Même position, on écarte un peu les pieds, et cette fois, on amène les fesses en direction des talons. J'inspire, je souffle en revenant à ma position initiale. Là, tu sens que ça chauffe les cuisses, mais ça chauffe aussi les abdos, puisque ça reste du gainage. Encore deux. Ok. On arrive à la fin de l'échauffement. On va refaire une petite touche de cardio. Et pour ça, on va faire quoi? On va faire des jumping jacks. Je te montre d'abord l'option sans saut. Un pas sur le côté. Et en même temps de faire mon pas, je vais amener les mains au-dessus de la tête. Paf, paf, ici. Ça, c'est l'option sans saut. Il n'y a pas d'impact. Ok? Si tu peux faire des impacts à la maison, on a l'option les deux jambes en même temps, beaucoup plus intense. Donc garde l'option eh ben, qui te convient le mieux. 3, 2, 1. Ok. Good. Voilà. On a fait l'échauffement. Maintenant, on va passer à la séance, au corps de séance. Donc nos 6 exercices. Et comme je t'ai dit, on part pour 4 tours. Premier exercice, très simple, planche rotation. Donc on va être sur les avant-bras. D'accord? Deux options. Une option plus simple. Je vais arriver. Sans m'étouffer. Une option plus simple, une option plus dure. L'option plus simple, elle est sur les genoux. Donc planche statique. Je vais basculer tout simplement sur un côté. Je reviens au milieu. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et l'option plus dure. Tu la vois venir, je pense. C'est la même chose sur la pointe des pieds. Je rentre le nombril, j'arrondis le bas du dos et je tourne pour venir sur un gainage latéral et j'alterne. Ok? J'ai la tête dans la plante. C'est pas grave. Je lance le chrono, je vérifie bien que ça filme bien. Hein. Oui. Oui, ça m'est déjà arrivé, oui, oui. Oui, oui, ça m'est arrivé, je vous jure. De faire toute une séance. Top! Et à la fin, je me rends compte que j'avais oublié d'appuyer sur play. Autant te dire que c'est assez frustrant. Hop. Donc ici, on pince. On rentre bien le nombril. D'accord? Important aussi d'être bien aligné. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que je vais aligner les articulations. Si j'ai le bassin qui est trop proche du sol, déjà, tu vois, ça fait mal. Je passe sur l'option plus simple, ici, d'accord, sur le genou. Ça travaille quand même, mais forcément, j'ai moins de poids de corps à lever. Top. Cardio, très simple. 4 montées de genoux, 4 talons fesses. Je te montre une option sans impact, directement pour commencer. Top. L'option sans impact, je fais 4 talons fesses et 4 montées de genoux. D'accord? Ça, c'est si je peux pas sauter à la maison. Sinon, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Reste là, le micro. Reste avec moi. Boum, 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 boum. Allez, après ça, on revient sur les abdos, on ira sur le dos, au sol. Yes. Pour des obliques, donc ici, je ramène les pieds à une 20aine de cm des fesses. Je viens décoller le haut du dos, rentrer le nombril. Et l'objectif va être de venir, top, toucher les chevilles. Pense bien, attention à bien rentrer le nombril et rentrer le ventre, comme je t'ai dit. Le visage en direction du plafond, d'accord? Je regarde pas mes genoux, je regarde bien le plafond. Comme ça, je gagne un bon espace ici pour respirer. S'il y en a parmi vous, chez qui ça tire le cou, ça tire la nuque, hop, je fais le même exercice en gardant une main derrière la tête. Je rentre bien le ventre, j'insiste. Ok, on revient sur le cardio. Le cardio, on fait un squat, 3 petits rebonds. Squat, 3 petits rebonds. Ok, je te montre l'option sans saut. Et sans saut, ça donne squat, petit déplacement. Squat, petit déplacement. Ok? Donc choisis ton option. Sans impact ou avec. Attention de bien replacer vos pieds. D'accord? Assez large, légèrement ouvert. Quand vous atterrissez de vos bancs. D'accord? Parce que quand on fait pas gaffe, on peut arriver avec des pieds qui sont pas du tout bien placés pour le squat. Donc faites bien attention à ça. Top. Ok, c'est très important. On revient sur le dos. Crunch. Donc, même position que tout à l'heure, cette fois, les bras tendus au-dessus de la tête. Et on va essayer de toucher le plafond. Top. En soufflant. J'inspire, je repose la tête. Et je souffle. Attention, je fais mon crunch en évitant de pousser le ventre vers le plafond. Ça veut dire que je souffle fort et je rentre le nombril. C'est d'ailleurs pour ça que je te dis de souffler fort. Quand je vais souffler fort, automatiquement et anatomiquement, mon nombril il va rentrer. Ok? Yes. Évidemment, je fais moins de répétitions pour prendre le temps de bien t'expliquer les consignes pendant ce premier tour. Mais toi, à la maison, hein, t'essaies d'envoyer un petit peu. On revient sur du cardio, toujours au sol. 6 mountain climber. Top, mountain climber, c'est des montées de genoux au sol. D'accord, j'en fais 6. Et une planche jack. 6, planche jack, c'est quoi? J'ouvre à droite, j'ouvre à gauche et je referme. Pouf, 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 je fais mes 6. Tac, 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 tac. Plus je vais aller vite, plus le cardio va monter. Paf, 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 paf. 6 mountain climber. Pam, 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 pam. Top. Le but, tu peux boire une gorgée. Le but de ce dernier exo, en fait, c'est de garder le bassin au même niveau. On veut éviter ça. D'accord? L'objectif des abdos, là, ça va être de réussir à maintenir ton bassin au même niveau. Que les variations, elles soient très, très faibles. C'est là tout le but de l'exercice. Ok? Voilà, on a fait le premier tour. Je m'applique toujours à donner les consignes précises. Que tu comprennes bien l'exercice. Maintenant, on passe au deuxième. On a déjà vu les exos, donc on va essayer de mettre un peu plus d'intensité. Maintenant qu'on les a compris. On boit une gorgée. Donc là, voilà, on enchaîne un peu. Hein. On n'est pas dans l'économie. On essaie de se donner. Il ne reste que 3 tours. On reprend dans 5 secondes. Donc là, tu te rappelles, c'est la planche rotation.
top option sur les genoux, je te rappelle, qui est plus simple, ou alors sur la pointe des pieds. On marque un petit temps d'arrêt en version gainage latéral. Hop, ici, je suis bien aligné, attention, je rentre bien le nombril. D'accord. Comme quand on est à la plage, c'est. On fait tous un peu ça à la plage, hein. On rentre un peu le ventre. Top. Mais là, on essaie de faire la même chose. C'est pas pour faire le beau ou la belle. C'est que, comme je t'ai dit, ça permet de contracter le transverse, le muscle plus profond des abdos, et c'est hyper important. Top. Malheureusement, on n'entend pas assez cette consigne. 1, 2, 3, 4. Option plus simple. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Ok. Comme je t'ai dit, on donne toujours des options sur Flash Fit Home. Ce micro, il m'énerve. Donc, profites-en. Bois les consignes qu'on te donne. Ça te servira tout le temps. Yes. Les obliques au sol. Désolé, ça fait un peu de bruit dans le micro. J'essaie de le régler. Donc on est sur le dos. On recule un peu les chevilles. On décolle le haut du dos. Top. On vient chercher les chevilles. Il faut être bien concentré sur le fait de contracter les obliques. C'est pas juste un balancier où je contracte pas. Ça, c'est nul. D'accord. C'est vraiment les obliques qui viennent ici faire l'inclinaison du buste pour venir chercher la cheville. D'accord. Tu vois la différence. Ici, je fais le balancier. Là, je viens chercher vraiment la cheville. N'oublie pas que tu peux garder une main top derrière la tête si ça te tire au niveau du cou. Les squats. Squat et les trois bons, ou alors squat, petit pas pour l'option sans impact, pour préserver tes articulations. Top. Si tu ne peux pas faire de saut, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis toujours gainé. Hein. C'est automatique, évidemment. Je sais que ça l'est pas du tout au début, donc je te le répéterai 100 000 fois par séance. C'est normal. D'accord, j'ai pas Alzheimer, c'est pas que je radote, c'est fait exprès. Oublie pas de bien te concentrer pour bien prendre le bon écartement au niveau des pieds. Yes! Sur le dos. Il nous reste deux exos. Donc crunch. Les bras au-dessus de la tête, on vient chercher le plafond, comme je t'ai dit. On souffle fort sur le crunch. Top, ici. Et j'inspire quand je reviens. Ici aussi, hein, tu peux très bien garder une main derrière la tête si jamais ça te tire au niveau du pont. Important de souffler fort, je te répète. C'est pas forcément facile à comprendre, top. Quand on connaît pas l'anatomie, mais tu peux essayer à la maison. Quand tu souffles fort, en fait, tu contractes le transverse. Donc, automatiquement, ton nombril y va rentrer. Donc, quand tu souffles fort sur le crunch, le nombril y rentre, ça évite de pousser. Top. Ça évite de pousser le ventre vers le plafond. Donc là, on était sur 6 mountain climbers. Ici, et on ouvre planche jack. Donc, comme je te l'ai dit, ce qu'on veut éviter, c'est ça. D'accord. Nous, on veut stabiliser le bassin un maximum. Et quand tu te concentres sur le fait de stabiliser le bassin, eh bien, tu te rends compte que là, tu sollicites beaucoup ton gainage. Top. OK. C'est vraiment l'importance de cet exo. Planche jack, je stabilise. Ah. On a fait la moitié de la séance. J'espère que tu kiffes. J'espère que tu kiffes. Moi, je kiffe, en tout cas. J'aime toujours moi, les séances cardio abdo, je sais pas pourquoi. Tu me diras en commentaire, toi aussi. Si tu les kiffes, celle-là. Là, tu vois, on marche un petit peu. On essaie de calmer la respiration. On boit une gorgée, très important de s'hydrater. D'accord. Avant,
mais surtout pendant et après. Essayez d'y penser un maximum. Allez, 10 secondes. Comme je dis souvent, si t'es en train de faire pipi, 10 secondes, planche rotation, en place. Allez, plus que 2 tours. Top, on bascule. On connaît très bien les exos. Donc là, on n'a plus d'excuses. On se donne, on met de l'intensité. Si on peut mettre de la vitesse, on la met. Comme je dis tout le temps, la vitesse, on la met quand on maîtrise l'exercice. D'accord ? Priorité numéro 1, maîtriser l'exercice. Et ensuite, on peut commencer à mettre de la vitesse. Pas avant. Donc là, on gaine. Top. On rentre ce putain de ventre. Bordel de merde. On gaine, on gaine, on gaine. Allez, 4 montées de genoux, 4 talons fesses. Allez. Pou, 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 pou. Toi, tu restes avec moi. Allez, la mousse. Je vais y arriver. Non. J'ai cru que j'avais réussi à l'attraper. 1, 2, 3, 4. Je te dirais, la scène qui dure un quart d'heure. Ouais, ouais, ouais. Je suis observé par les chats là. Top, 15 secondes. Ils m'observent les deux là. Ils écoutent bien que je dise bien les consignes. Oblique, pardon. Top sur le dos, j'allais faire les squats. Oblique au sol. Donc comme je t'ai dit, c'est le buste. C'est la contraction des obliques qui me permet que mon bras vienne chercher la cheville. C'est pas un balancier, attention. C'est la grosse erreur, ça. Faire ça. Là, on dirait plus un débile qu'autre chose. D'accord, ça contracte pas grand chose. Alors qu'ici, si je me force à bien contracter les abdos latéraux, top, et à bien faire une inclinaison, là, on va sentir la contraction. C'est toujours dans les subtilités comme ça que qu'on fait beaucoup mieux un exercice et qu'on a plus de résultats. Allez, squat, 1, 2, 3. N'oublie pas, sinon tu peux faire squat et petit déplacement. 1, 2, 3, squat. 1, 2, 3, squat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Allez, 5 secondes, pas du tout. 5 secondes. Je suis trop rapide. Yes. Je veux aller trop vite. Les crunchs. C'est ça, oui. Je me suis mis le doute tout seul. Crunch. On vient chercher ce plafond, on peut garder une main. Top. Derrière la tête pour soulager la nuque. Du poids du crâne. Le visage, je te répète. Toujours en direction du plafond, on ne vient pas regarder ses genoux, on s'en fout. Nous, on veut garder un bon espace ici pour bien respirer. Ok, je parlais plus trop, bah, je voulais quand même te montrer comment on fait bien l'exercice. Parce qu'évidemment, moi, dès que je te parle, je désynchronise la respiration, donc ça devient plus dur. Mais là, tu as bien vu la respiration, j'exagère. Top, je n'exagère pas. On souffle bien fort pour bien maîtriser l'exo. Boum, boum, boum. Droite, gauche, milieu, milieu. On rentre bien le nombril. On arrondit le bas du dos. Je veux surtout pas que tu creuses. L'inverse. On arrondit. Rétroversion du bassin. Pouf, 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 pouf. 6. Bam, 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 bam. Allez. Yes. Plus qu'un tour. C'est pas beau? Si, c'est beau. On aime ça, on aime. Ah. Mamma mia. Yeah. Dernier tour. The last round. D'ailleurs, si tu veux perdre du poids, toi, si tu veux perdre du poids, surtout perdre du gras, te sentir mieux, retrouver une dynamique,
et retrouver la forme sans salle de sport. Il y a YouTube, c'est génial. Tu verras après dans la description, tu pourras aller voir. On a des programmes, hein. Programme d'un mois où on t'accompagne sur tous les aspects sport, alimentation, état d'esprit, les habitudes à implémenter au quotidien pour avoir des résultats définitifs sans régime. Tu retrouveras les programmes dans la description. Franchement, vas-y, vas-y les yeux fermés. Même si t'as que 10 minutes par jour, on a créé un programme en 10 minutes par jour, donc pour te dire. Top! On a adapté les programmes à vos demandes en termes de résultats et en termes de temps. 10 minutes par jour, tout le monde peut les consacrer. Le matin, par exemple, avant d'aller au travail, bam, petite séance de 10 minutes. Et là, t'exploses tes résultats en très peu de temps par jour. Donc l'emploi du temps n'est plus une excuse. Oui. Donc t'iras voir dans la description. D'accord, je compte sur toi. Top. Yes. Cardio. Cardio time. 4 montées de genoux, 4 talons fesses. Dans 5 secondes. Oh les chats. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ouais, j'ai fermé la clé, ils sont dégoûtés. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On revient le micro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Reste là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On lâche pas, on lâche pas. Yes. Ah. Les obliques. Les obliques. Cardio. Abdo. Cardio. Abdo. Let's go. Tu peux reculer un peu les chevilles, c'est trop facile. Il est rentré. Oui. Le nombril, il est à la maison. Surtout pas pousser. Mémé dans les orties, déjà. Mais surtout pas pousser le nombril vers le plafond. Hein. Allez, allez, au bout, 30 secondes. Yes! Les squats. On commence à faire chaud là. Hein. D'adieu. D'adieu. Ça fait chaud là. Allez, squat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bingo. On perd du gras. On perd du gras. On perd du gras. On perd du gras. Petit point culture. D'après toi, comment on perd le gras physiquement? Où est-ce que le gras y part? La plupart des gens se disent dans la transpiration. Non. Non. Top. Non, on n'élimine pas le gras par la transpiration. On élimine le gras, ça finit pareil, par la respiration. D'accord? C'est important de le dire. 84% du gras que tu perds, top, tu l'élimines en respirant. Et oui. On élimine le gras sous forme de CO2. Donc il y en a qui courent avec un kawé, tu vois, pour perdre du poids. C'est... Alors, si tu le sais pas, évidemment, c'est pas un jugement de ma part, mais c'est débile. Top. Faire ça, c'est débile. Tu perds de l'eau, donc c'est vachement sur la balance, c'est génial. Tu cours, tu te pèses, waouh, perdu un kilo. C'est que de l'eau. Dès que tu vas rebord, tu vas les reprendre direct. D'accord, donc ça ne sert à rien. Top. Pardon, si mountain climber, c'est le dernier. C'était le point culture, parce que il y a beaucoup cette erreur. Et évidemment, si on le sait pas, tu vois, tendance à courir avec un pull ou un kawé. C'est des boxeurs qui font ça parce qu'eux, ils ont un intérêt. Ils font ça juste avant de se peser. Comme ça, ils perdent du poids sur la balance. Mais pour toi, ça n'a aucun intérêt. Laisse-moi un pouce bleu si tu le savais pas. Top. Laisse-moi un pouce en l'air dessous si tu savais pas. Wouh. Yes. Et oui, en fait, on va oxyder les graisses quand on fait de l'effort physique. Et pas que, hein.
On ne brûle pas de graisse que pendant le sport, heureusement. Loin de là. Et on va rejeter ça sous forme de, eh ben, de CO2. Donc c'est important à savoir quand même. Et après, il reste 16%. Bah là, ça va être dans les selles, dans tous les liquides qu'on perd en fait, hein, transpiration, les selles, ce genre de choses. Mais voilà. Je me suis dit, tiens, je vais leur dire ça, c'est très important. Donc j'espère que tu as kiffé cette séance. Si c'est le cas, on s'abonne à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, on active la cloche, on laisse un pouce en l'air en dessous de cette vidéo. Ça, c'est la petite routine quand tu as fini ta séance. Et surtout, on laisse un commentaire. Dis-moi quel exercice t'as préféré, si t'as kiffé la séance, et est-ce que tu savais pour comment on élimine le gras? J'avais fait des posts il y a très longtemps pour rappeler ça. Comment fonctionne le corps, tout ça. Ben ça, dans les programmes, par exemple, c'est des trucs que je te donne. Donc tu vas vraiment être nourri dans les programmes. Il y a de la formation avec. C'est pas juste, tiens, fais ça et basta. Il y a une certaine compréhension. Il n'y a que comme ça, en fait, que tu peux avoir des résultats définitifs et durables. C'est comprendre ce que tu fais. Pourquoi je fais ça? Si tu n'as aucune connaissance, tu fais juste parce que je t'ai dit de le faire, en fait, tu vas toujours être nourri dans l'information parce que tu vas avoir autre chose. Tu vas faire, ah ouais, ça a l'air bien aussi, ça va peut-être mieux marcher. Ah, ça aussi. Quand tu comprends comment fonctionne le corps et pourquoi tu fais ce que tu fais, ben là, c'est le seul moyen d'avoir de vrais résultats. Sur le long terme, je parle, bien évidemment. OK? Donc ça, ce sera les programmes dans la description. Tu en as plusieurs, d'accord? Tu as objectif ventre plat qui va vraiment être ciblé sur le fait d'avoir un ventre plus plat, donc avec le sport, mais aussi avec l'alimentation, très important, avec des routines quotidiennes pour justement avoir un effet sur le tonus musculaire du transverse qui permet justement de rentrer le ventre. Ça, c'est objectif ventre plat. Il y a mincir en 10 minutes par jour, ça dure un mois, seulement 10 minutes, des séances diversifiées. Attention, c'est pas la même séance tous les jours, sinon tu pètes un câble. Il y a des disciplines différentes, c'est diversifié, d'accord? Tu auras de tout. En tout cas, tu vas kiffer, le programme est progressif. Tu peux perdre entre 2, les résultats, ça dépend évidemment d'où vous partez, entre 2 et 6 kilos de gras en 30 jours, en 10 minutes par jour. Et tu as le programme phare, c'est le challenge 30 jours. Donc là, on va perdre généralement, c'est entre 2 et 8 kilos, mais encore une fois, ça dépend d'où tu pars. On part de plus ou moins loin. Mais 2 à 8 kilos par jour. Une séance de HIIT tous les 2 jours, d'accord? Donc là, c'est une séance de HIIT qui dure 30 minutes, d'accord? Donc on n'est pas sur les mêmes formats, mais c'est le même principe, d'accord? Sport, alimentation, état d'esprit, motivation, mode de vie, comment implémenter ça? Je te forme justement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour avoir des résultats sur le long terme. Donc va voir dans la description sur flashfitterm.com, tu vas surkiffer. Franchement, rejoins nos programmes, je te le dis, meilleur investissement que tu peux faire. Et voilà, donc je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube ou dans un programme. Je compte sur toi, juste avant les fêtes de fin d'année, en plus c'est pas mal, tu vois, ça tombe à pic. Si tu veux t'étirer, tac, je te laisse une petite vidéo juste ici, tu peux cliquer dessus, cliquer. Tu peux cliquer dessus, 10 minutes d'étirement en fin de séance. Je t'envoie de l'amour et de la transpiration. Ciao!